Good morning, Alaïdan et Lesusra. Aujourd'hui, le Lunchmat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucienne Bat Raina et Lorléa Bat Bela. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Ederim, Perek Chet, Mishnah Zain. Omer la Chadro Konam Shani Nehene Lach im En Ataba Venotel Levanecha Kor Echad Shel Chitim Ushte Chaviot Shel Yain. Arze Yachol Lehafer Et Nidro Shel Al Pi Chacham. ויאמר לו, כלום אמרת אלא מפני כבודי, זהו כבודי. וכן אומר לחדור קונם שאתה נהנה לי, אם אין אתה בא ונותן לבני קור אחד של חיטין, ושתי חביות של יין, רבי מאיר אומר, אסור עד שייתן, וכן אומרים, אף זה יכול להפר את נדרו שלו על פי חכם, ויאמר לו, הרי אני כאילו התקבלתי, שמרת לה פה לבמה, וסוננים שם על סיום המונג, יפה נתראה, ירתו נקו. dans la mesure où, les deux premières parties, la Michel sépare en quatre morceaux. Et les deux premiers, c'est le même principe, de la suite, ce sera encore autre chose. Là, on s'intéresse à savoir, à Omer l'Achavero, quelqu'un qui dit à son ami, « Konam shani neena lecha »« Je fais le neder, que je ne profiterai pas de toi. »« Imen ataba »« Si jamais tu ne viens pas, « Venotel levanecha kor echad shel chitim »« Que tu vas venir chercher chez moi, prendre un kor de chitim, genre une tonne de blé, et jeter chaviot, enfin une grosse quantité de blé, et jeter chaviot shel yain, et aussi deux tonneaux de vin. » Ouais, dans ce cas-là, Arezé Yachol le Aferet Nidro, Shelo al Pichacham, l'ami, en l'occurrence, pourra finalement annuler son éder sans se consacrer avec un Chacham, Veyomarlo, il lui dira Kloum Amarta et l'ami Pnekvodi, Zokevodi. Tout ce que tu l'as dit parce que c'est mon honneur. Ben, mon honneur, c'est que je ne vais pas prendre. On explique un petit peu mieux de quoi on parle. Je suis un peu étonné d'ailleurs. Livni, Livincha. Ah, c'est écrit, je n'avais pas fait attention. D'accord. Il y avait un. On parle en fait, il y a, par exemple, c'était fréquent à l'époque. Aujourd'hui, quand on marie un enfant, alors on a l'usage avec un. Entre amis, tu maries ton fils, je te fais un petit chèque. Je marie mon fils, tu me fais un chèque en retour, comme ça, ça m'aide moi à couvrir mes frais, toi tu couvres tes frais, au lieu d'avoir une montagne d'argent à payer. C'est un peu les rapports. Seudat Mereim, il y a comme ça, Nedunia, ça s'appelle dans la Gemara. La Nedunia, c'est un. À part l'anédonia que le mari donne à la femme, il y a aussi l'anédonia qu'on donne entre amis pour le mariage des enfants. En l'occurrence, il y a deux amis. Alors à l'époque, ils ne donnaient pas des chèques, mais ils donnaient du concret, de la nourriture. Pour pouvoir faire marier ton fils, tu as besoin de beaucoup de blé. Alors moi, je veux te donner pour toi un corps de blé, une grosse quantité de blé, et en plus même deux tonneaux de vin. C'est ma participation aux frais du mariage. Je veux que tu le viennes les prendre. Toi, tu refuses parce que tu dis non, je veux le marier tout seul, c'est moi, c'est ma fierté. Et puis moi, je te dis non. Je veux que tu prennes. Alors aujourd'hui, dans notre parler, on parle beaucoup en jurant. Nous, on ne parle pas, bon, on ne jure pas du tout, bon, prochain. Mais le commun des hommes, il jure à tort et à travers, grave erreur, il faut s'habituer à ne pas jurer. C'est grave, c'est très grave. Ça nous rend des complications très graves de dire le mot je te jure. En tout cas, malheureusement, c'est comme ça, c'est fréquent. Je pense à bien des Arabes qu'ils disent Wallah, tout prêt à tout va, Wallah, je te jure. Et du coup, réadapter après, ça fait qu'on jure pour, à tort et à travers un peu pour tout. En tout cas, concrètement, le gars il a dit voilà, je te jure que si tu viens pas, ou je te fais le néder, ou je te jure, si tu viens pas chercher un corps de blé et deux tonneaux de blé, tu profites pas de moi. Je suis interdit de profiter de moi. Si tu prends pas ce que je te demande tout de suite, tu profiteras plus de moi. Genre, je te menace en fait que tu es obligé de prendre de moi. J'ai pas envie que tu fasses le difficile, ou que tu fasses. Je veux que tu viennes prendre, sinon je jure. Alors là, maintenant, finalement, on se trouve en situation que l'autre, il n'a pas envie de prendre, il n'a pas envie de recevoir. La Michel me dit, tu sais quoi? Finalement, si l'autre, il n'est pas venu, il a voulu marier son fils tout seul, il peut quand même continuer de profiter de moi. Tu sais pourquoi? Il n'a pas besoin de faire un chacham pour annuler le neder, parce qu'en réalité, et il pourra lui dire, Klouma Marta et l'ami Pnekvodi, tout ce que tu as voulu me donner, l'autre qui devait recevoir, il me dit, ce que tu as voulu me faire en cadeau, c'était pour Kvodi, pour mon honneur à moi. Tu peux me montrer combien tu m'aimes, combien tu m'estimes, combien le mariage de mes enfants, c'est un peu comme le mariage de tes propres enfants, hein, tout ça. Donc c'est pour mon kavod. Alors sache que pour mon kavod, je veux qu'à la place que tu me donnes ça, je veux que tu me le donnes pas pour mon kavod. Vous avez compris l'idée? Puisqu'en fait, là, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on a fait le neder, qu'on doit faire une certaine action spécifique, pour que le neder ne soit pas khal, ne soit pas appliqué. Et en fait, au même titre qu'on peut décider finalement de prendre autre chose à la place, si jamais on le dit, tu sais quoi, regarde, tu
C'est quoi, alors, ne me donne pas... Imaginez, je vais vous expliquer comme ça. Au lieu de dire, tu sais quoi, alors, ne me donne pas du blé et du vin, ça j'en ai, mais je voudrais que tu achètes à mon fils, que tu l'achètes une machine à laver. Vous êtes d'accord qu'on peut décider de le faire, parce qu'en fait, tout le néder que tu as fait, c'était pour mon ta vote, pour me dire que le mariage de mon fils, c'est comme le tien. Ouais. Eh ben, en fait, c'est pour mon kavod. Eh ben, pour mon kavod, sache que je veux que tu fasses autre chose. Même principe, pour mon kavod, je veux que tu me laisses moi marier fièrement mon fils, au lieu de partir faire demander de l'aide des autres. D'accord? Même principe à l'envers. Vechen Omer la Chavero. Là, c'est plus le mec, le gars qui a envie de donner avec tout son cœur et l'autre qui refuse. Là, c'est tout le contraire. C'est l'autre qui réclame avec tout son cœur et l'autre qui lui refuse avec tout son cœur. Ouais? Que quoi? C'est situation inverse. Vechen Omer la Chavero. Genre, moi, pour le mariage de ton fils, je t'ai donné large. Ouais? Maintenant, ça arrive le mariage de mon fils et tu commences à me jouer le radin, t'as bidou, que t'as pas d'argent, t'as pas. Et moi, je te dis, écoute-moi. Omer la Chavero, celui qui est son ami, Konam Shatan Enini, je te fais le néder, que tu ne profiteras pas de moi, ou je te jure que tu ne profiteras pas de moi. Im enataba, si jamais tu ne viens pas au mariage, mais dont elle est venue, kor echad shel chitim, ou je te chaviot shel yain, que tu donnes à mon fils, une grosse quantité de bleu, pour le mariage de mon fils, du blé, ouais, 100 kilos de blé, et 2 tonneaux de vin. Mais finalement, tu ne vas pas les donner, et puis finalement je t'ai menacé, j'ai parlé, j'ai envie d'annuler le néder. Est-ce que je suis obligé de percevoir le chacham, machloket? Rabbi Meir Omer, Asura Chieten, selon Rabbi Meir, eh bien, tu n'auras pas le droit de profiter de moi tant que tu ne vas pas donner ce que tu dois donner. Parce que je t'interdis, je ne peux plus l'annuler. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, et Chachamim, ils nous disent, Afze, même dans un cas pareil, Yachol le aferet nidro, shelol pi chacham. Je peux finalement décider d'annuler le nézer, veyomarlo, et je lui dirai la même phrase. Areani keilouit kabalti, bon, finalement, tu sais quoi, je t'ai dit que tu veux le donner, allez, même si tu ne donnes rien, je fais comme si je l'ai reçu. Recevoir ou pas recevoir, c'est pas un problème, est-ce que tu fais rentrer ton argent chez moi, c'est est-ce que je décide de considérer que ce que tu m'as rien donné, c'est comme si tu m'avais donné, je décide de te d'effacer la dette. Ok? Même principe. Donc, avec maintenant un point un peu intéressant. Rabbi Meir, il est relax sur la deuxième partie, mais pas sur la première, ou pas? C'est une marque rishonim. On va partir selon l'avis, en fait, qui va de Tosfot, où Rabbi Meir, dans la première partie de la Mishnah, il est d'accord qu'on peut décider d'annuler, mais dans la deuxième partie de la Mishnah, Rabbi Meir dit que tu es obligé de donner. J'explique concrètement. Moi, je te dis, écoute-moi, si tu ne prends pas de moi, tu ne profites plus de moi. Et l'autre, il me dit, je ne veux pas profiter de moi, c'est pour mon kavod que je ne profite pas de toi. Et dans ce cas-là, lui, il peut annuler. A l'inverse, tu dis, écoute-moi, si tu ne me donnes pas pour mon fils, tu ne profites plus de moi. Et après, il ne donne pas, et je lui dis, bon, allez, c'est pas grave, je te pardonne, je te le fais cadeau. C'est pas la peine de me le donner. Et là, Rabbi Meir dit, non, tu es obligé de donner. Parce qu'en fait, il y a une différence fondamentale entre les deux. Lorsque moi je parle que j'essaye de te forcer à recevoir, c'est pas exclu que finalement tu vas pas recevoir. Donc c'est sûr qu'au moment où je parle pour te montrer mon kavod, et que je vais être mechabed, que je vais te respecter, je vais te valoriser, et puis toi tu refuses parce que justement ton kavod, c'était ce qu'on avait parlé, que je voulais t'honorer, et toi tu me demandes, alors honore-moi en me donnant rien. Mais quand c'est le contraire, quand c'est moi qui réclame, ça signifie que, en ce moment, je suis en train de me dire, tu passes pas à l'as, tu es obligé de payer. Au moment où je prononce le néder, je suis entier avec moi, que je veux que tu me donnes, pas pour mon kavod, parce que j'ai envie que tu payes un peu. Moi, pour ton mariage de ton fils, je t'ai donné large, ouais. Alors maintenant que tu me réclames, que tu me rends en retour. Au moment où je parle, je suis ferme, c'est pas pour mon kavod. Dans ce cas-là, je peux plus. Dans ce cas-là, tu es obligé de me payer. Et si tu ne me payes pas, le néder s'annule pas. De lui-même. Il faudra faire pendant seulement un tarat nédérim. Tandis que Rachamim, ils vont nous dire que malgré tout, puisque c'est moi qui dois recevoir, je peux décider que finalement, donne-moi un franc symbolique et je décide grâce à ça, de faire comme si tu m'as tout donné. Finalement, tu peux même ne rien me donner, je considère que tu m'as tout donné. D'accord? Fin de la première partie de la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah. Hayum esarvin bo laset bet achoto. On lui demandait de... je lis la deuxième partie maintenant. On va avoir deux morceaux de Mishnah, c'est le même principe. Ayum esarvin bo laset bat achoto. Va'amar konam shehi ne'enet li le'olam. V'chad ha'megireshet ishto va'amar konam ishti ne'enet li le'olam. Harelu mutarot lehanot lo, shelonit kevenze, ela leshu mishut. On a un cas avec... il y a deux cas concrètement, quoi, mais c'est le même principe. On me forçait à ce que je me marie avec ma nièce. Vous savez que c'est une mitzvah, entre parenthèses. Non, c'est plus du tout actuel. Mais tu m'as avec Inès, la fille de son frère. La fille de son frère, c'est en théorie, c'est la meilleure femme pour un homme. On a les mêmes mentalités, on a les mêmes midotes, et dans la mesure où c'est faisable, Ramban, il parle de ça sur la Torah, il n'y a même pas d'inceste, même pas Midrabanan.
C'était fréquent à l'époque de le faire. Je me marie avec ma nièce. Maintenant, moi, j'ai pas envie de me marier avec elle. Mais tout le monde me prend la tête. Ma mère et ma grand-mère et tout le monde. Marie-toi avec elle, marie-toi avec elle. J'ai un côté, moi. Je fais le néder. J'interdis de profiter de moi pour la vie. Comme ça, la pauvre, elle se marie avec moi, je pourrais même pas lui donner à manger. Donc c'est sûr. Comme ça, j'ai réussi à les dégager proprement, à tout le monde, à arrêter de me prendre la tête. D'accord? Ayoum Sarvinbo, la sept bachoto. On lui cassait la tête. On insistait beaucoup pour qu'il se marie avec sa nièce. Va'amar, konam she'eni nenetli leolam. Je fais le néder qu'elle profite plus jamais de moi. Ou encore, autre situation. Vechana megirash et tishlo. Je divorce ma femme. Et on me dit, non, ne la divorce pas, divorce-la. Je fais le néder qu'elle profitera plus jamais de moi. Konam ishti she'en ishti nenetli leolam. Qu'elle profitera plus jamais de moi. Donc maintenant, tu veux juste avec elle, mais elle ne veut plus profiter de moi. Donc j'ai réussi à maintenant à clore le mariage, je veux plus d'elle. Et bien dans toutes ces situations, la Mishnah m'enseigne que Arelo Motarot la Notlo, Shelonit Kaven, Ze et la Leshumjut. Elles auront le droit de profiter de lui, une fois qu'elle, c'est-à-dire ma nièce, que je ne vais pas me marier avec elle finalement. Mais tant qu'elle n'est pas mariée avec moi, je peux lui faire profiter d'elle. Ma femme, ma future ex-future, que j'ai décidé qu'elle profite à plus loin, c'est que tant qu'elle est ma femme, une fois qu'elle est divorcée, je peux lui donner des choses. Je ne peux plus la remarier et qu'elle profite à moi, parce qu'en fait, mon intention, elle était juste que, puisqu'on insistait qu'elle va être ma femme de force, soit parce qu'on veut me la coller, la nièce, soit parce qu'on veut me dissuader de la divorcer, alors quand j'ai prononcé une dernière qu'elle ne profitera pas de moi, mon intention, elle était, si c'est ma femme, elle ne profite pas de moi, mais si c'est pas ma femme, ça reste ma nièce. Bien sûr que je peux lui faire profiter. Si c'est ma divorcée, bien sûr que je peux lui donner à profiter. D'accord? Même principe encore avec Ayam et Sarah Bechadroche et Yochal Etzlo. J'avais un copain, un ami, mais alors, on ne va pas donner de quelle origine il est, mais il a dit, allez, viens manger chez moi. Allez, viens manger chez moi. Ayam et Sarah Bechadroche et Yochal Etzlo. Viens manger. Allez, viens manger. Alors, et moi, j'avais pas envie de rentrer chez lui, j'avais pas envie. Et je lui dis, Amar, konam le betrach et l'inirnas. Je fais une neder, je te jure. Je rentre pas chez toi. Je te jure que je vais pas boire une goutte d'eau froide. Non, une goutte de froid. Une goutte, je bois pas chez toi. Voilà, si on veut traduire au moins en français, je bois pas une goutte de chez toi. Maintenant, problème technique. Est-ce que j'ai besoin, j'étais de passage avec lui à la sortie de la synagogue. Je vais pas rentrer prendre l'apéro. Il insistait pour que je vienne prendre l'apéro. J'ai prononcé le néder. J'ai pas envie de rentrer. J'ai pas envie de perdre mon temps. Je suis pressé. Et ou bien ça se finit toujours avec de l'alcool et puis après j'ai la tête qui tourne. J'ai dit non, je rentre pas chez toi. Maintenant la Michelle me dit, ben sache que si maintenant je rentre dans la synagogue, j'ai envie de rentrer chez lui pour boire un verre d'eau pour après continuer ma route. Moutard les canasses beto vilishtot, mais maintenant son j'aurai le droit de rentrer dans sa maison et de boire une petite goutte froide. Même si j'ai dit je rentre pas chez toi ou je bois pas une goutte d'eau, je bois pas une goutte d'eau chez toi. Parce qu'en fait, j'ai pas dit une goutte d'eau, ouais, j'insiste, je bois pas une goutte d'eau chez toi. Une goutte de boisson. Voilà, une phrase un peu comme ça. Sonnen ça veut dire quelque chose de frais quoi. Mais dans ce cas-là, j'ai le droit de rentrer de boire, et de boire même une petite goutte d'eau, ou même de cola, ou de coca, ou ce que vous voulez. Pourquoi ? Notre intention, elle était, lorsque j'ai prononcé le néder, même si j'ai parlé, je bois, je rentre pas chez toi, je viens pas boire chez toi. Mon intention, n'était pas que je franchisse pas le seuil de la porte. Mon intention, elle était de mettre le poids de mes mots, c'était que je ne vais pas m'installer à table chez toi. Je vais pas prendre un vrai apéro, mais un verre d'eau, ou un verre de coca, puis après partir, là j'ai le droit de le faire, même si je vais rentrer chez toi, parce que je ne me suis pas... En réalité, là c'est quelque chose de tout nouveau en fait, qu'on n'a pas... Presque tout nouveau. Qu'en fait, je dis une chose, mais qu'on va prendre les mots que j'ai dit avec une autre portée, qu'en fait l'intention, elle n'était pas d'interdire cette chose-là, elle était d'interdire quelque chose de beaucoup plus spécifique, elle était de m'interdire le repas. Au même titre aussi que les amis, j'ai dit qu'elle ne profitera pas de moi, dans le cas précédent. La nièce, qu'elle ne profite pas de moi... En réalité, mon intention était, si c'est ma femme, qu'elle profitera pas de moi. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Selam.